Sentez-vous un vide, une nostalgie inexplicable? Peut-être est-ce la connexion spirituelle qui nous unit à quelqu'un de spécial, même à distance. Aujourd'hui, un message céleste révèle, la personne qui occupe vos pensées est à un carrefour émotionnel. Se cachant dans l'ombre de la séparation, elle lutte contre l'intensité de l'énergie que vous éveillez, une force qui l'attire et en même temps l'éloigne. Mais pourquoi ? Découvrez comment cette attraction magnétique apporte une révélation puissante et comment cette réévaluation vous guide tous les deux l'un vers l'autre, dans un voyage de découverte de soi et d'amour véritable. La connexion ne peut être niée, elle est plus profonde, transcendant le commun. Êtes-vous prêt à plonger dans cette histoire d'âmes entrelacées ? Ressentez, reconnectez-vous et comprenez l'amour que l'univers a réservé pour vous. Dans le jeu mystérieux du destin, vos anges révèlent que cette personne spéciale est plongée dans des réflexions, ressentant la distance qui les sépare. Une distance qui semble s'étirer plus que prévu, créant un espace de silence et de contemplation. Au cœur de cette personne, il y a un coin sombre, un endroit où elle se cache, fuyant les vérités qui brillent intensément autour d'elle. L'énergie qui émane de vous, bien qu'invisible, est aussi réelle et tangible que la lumière du jour, la touchant profondément, éveillant des pensées et des sentiments auxquels elle ne s'attendait pas. C'est comme s'il y avait un lien subconscient, une ligne invisible qui relie l'intime de son être au vôtre. Elle le ressent, même si elle ne veut pas l'admettre, que vous révélez des vérités qu'elle craint d'affronter, des vérités qui remettent en question tout ce qu'elle connaissait d'elle-même. L'intensité de votre présence, que ce soit dans un message texte, un appel ou un simple commentaire en ligne, la perturbe de manière inexplicable. Pourquoi la simple idée de vous l'affecter-elle autant? Pourquoi cette connexion semble-t-elle être plus qu'une simple rencontre fortuite? C'est là le pouvoir de l'invisible, des émotions qui résident dans l'espace entre les mots non-dits et les sentiments non révélés. C'est là que la magie opère, où l'amour et la connexion transcendent le physique pour devenir quelque chose qui ne peut être ressenti qu'avec l'âme. Et quelque part dans ce voyage de découverte de soi et de découverte, elle se trouve au bord d'une nouvelle aube, où enfin, la lumière que vous rayonnez peut éclairer le chemin vers une véritable union spirituelle. Plongée dans ses pensées, cette personne spéciale réfléchit à l'abîme qui s'est creusé entre vous. Curieusement, c'est elle qui a fait un pas en arrière, initié une pause qui, maintenant, semble-t-elle, ne peut pas justifier. Qu'est-ce que c'est en vous qui la pousse à agir ainsi, si spontanément et viscéralement? Même un simple échange de messages, un appel ou un « j'aime » sur les réseaux sociaux déclenche une tempête intérieure, une confusion d'émotions qu'elle peine à comprendre. Étrangement, cette perturbation est mutuelle. L'attraction qu'elle exerce sur vous est tout aussi puissante, un magnétisme que vous deux essayez peut-être de nier, mais qui est indéniable. Chaque interaction, aussi brève ou numérique soit-elle, porte le poids d'une présence réelle, touchant profondément l'âme des deux. Pourquoi le simple fait de penser l'un à l'autre provoque-t-il une telle réaction? Ces questions sont des clés qui peuvent ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde du lien unique que vous partagez. Un lien qui, malgré les tentatives de le dissimuler, résiste, fort et inébranlable. La connexion est palpable, transcende le physique, touche le spirituel, et c'est là que réside le véritable mystère. La quête de réponse peut mener à un voyage émotionnant de découverte de soi et de reconnexion, apportant de la lumière à cette énigme appelée amour. Aujourd'hui, vos anges vous révèlent qu'il y a un mystère qui la consume. Elle est attirée par vous d'une manière qu'elle ne peut ignorer, cette attraction est comme une force de la nature, puissante et incontestable. Mais en même temps, cela l'intimide, la faisant reculer, comme si l'intensité de ce qu'elle ressentait était trop difficile à affronter en face. En elle, il y a une bataille entre le désir de s'approcher et la peur de se révéler complètement. Elle est un patchwork d'émotions, certaines pièces que vous reconnaissez et adorez, d'autres sont cachées dans l'ombre, dissimulées par l'incertitude et la vulnérabilité que votre présence éveille. L'effet que vous avez sur elle est un mystère qu'elle lutte pour résoudre. Pourquoi la simple idée de vous suscite-t-elle autant de puissance et de passion, et en même temps, une telle appréhension? Cette dualité est une danse délicate de faire un pas en avant et un pas en arrière, un rythme qui définit votre relation. C'est un tango émotionnel, où chaque mouvement et chaque pause en disent plus que des mots ne pourraient l'exprimer. La complexité de cette interaction est ce qui rend tout entre vous si réel, si cru et si humain. Et c'est dans cet espace entre avancer et reculer que réside la véritable beauté de ce que vous avez,
un espace où l'amour a la possibilité de grandir et de s'épanouir dans sa forme la plus pure et authentique. Dans cette confusion de sentiments, elle se trouve perdue, se questionnant sur l'impulsion qui l'a poussée à s'éloigner. Ce n'était pas simple. Ce n'était pas facile. C'était quelque chose en vous, une flamme, une étincelle qui la faisait réagir avec une intensité qui échappait à la raison. Maintenant, dans la solitude de la séparation qu'elle a elle-même créée, elle se retrouve face à un océan d'incertitude. La réalité est que votre présence, un simple geste ou un mot de votre part, déclenche une tempête d'émotions qu'elle essayait en vain de gérer. Elle est en pleine introspection profonde, confrontant des vérités cachées qu'elle a toujours su exister, mais auxquelles elle a détourné le regard. Votre connexion, complexe et pleine de couches, est maintenant devant elle, sans les rideaux qui la cachaient auparavant. Elle ressent que vous êtes comme une force de la nature, imprévisible, accablante et impossible à contenir. Et alors qu'elle essaie de naviguer dans ce chaos émotionnel, elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas contrôler ce qu'elle ressent, que l'influence que vous avez sur elle est une tempête qui ne choisit ni le moment ni le lieu pour se déclencher. Consciente de cela, elle recherche des réponses, essaie de comprendre le lien qui les unit, un lien qui va au-delà de la logique et de la compréhension commune. Elle réalise maintenant, plus que jamais, que la distance qu'elle a imposée entre vous était peut-être une tentative d'échapper non pas à vous, mais aux révélations que votre présence suscite. En ce moment même, elle se tient devant un miroir, regardant l'image de quelqu'un qui change, qui se transforme sous l'influence d'un amour qui ne connaît pas de frontières, un amour qui défie toute explication et qui, malgré tous les efforts pour y résister, insiste à rester. Cette nouvelle quiétude, chargée de sens, n'est pas passée inaperçue. Elle est attentive, ressentant la distance qui a grandi entre vous, une distance qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en énergie et en connexion. La perception qu'elle a que vous êtes sur un chemin de transformation intérieure l'a fortement impactée, éveillant une curiosité mystique sur ce qui pourrait alimenter ce changement. Elle réalise que vous n'êtes plus le même qu'auparavant, il y a quelque chose de nouveau en vous, une lumière différente qui émane de vous. Et cette lumière la touche, l'influence, l'incite à explorer les profondeurs de sa propre âme. Elle remet en question ses choix passés et le rôle qu'il joue dans ce nouveau chapitre que vous êtes en train d'écrire. L'introspection la pousse à se demander si c'est elle qui, involontairement, a créé cette nouvelle distance émotionnelle, cette nouvelle dynamique qui vous définit maintenant. Chaque geste de votre part, chaque changement perçu, est comme un miroir pour elle, reflétant des parties d'elle-même qu'elle ne voulait peut-être pas voir. Maintenant, devant ce miroir, elle se voit contrainte de faire face à la réalité de cette évolution. Ce qui était autrefois une danse d'approche et d'éloignement est maintenant devenu un voyage de découverte de soi, où elle se sent poussée à suivre l'écho de sa transformation. Car la vérité est que votre présence, même si elle est distante, continue d'être une force gravitationnelle dans sa vie, l'attirant vers une croissance qui ne peut plus être ignorée. Le regret est une ombre qui accompagne chacun de ses pas, un rappel constant de la séparation impulsive qu'elle a elle-même provoquée. Dans le silence des nuits solitaires, elle plonge dans la réflexion, cherchant à comprendre la série d'événements qui l'ont conduite à ce point. Vous, même absent, êtes comme la lumière qui guide cette quête, un phare éclairant les coins cachés de son esprit et de son cœur. Elle est confrontée à la réalité que votre influence est comme une clé, ouvrant des portes vers des parties d'elle-même qu'elle essayait de maintenir fermées. Vous avez ce don, cette capacité unique à toucher ce qu'elle gardait derrière des voiles et des serrures. Et maintenant, éloigné, votre impact n'a pas diminué, au contraire, il est devenu plus évident. La vérité sur ce que vous partagez a toujours été claire pour vous, et c'est cette clarté qui envahit maintenant l'espace qu'elle a tenté de créer entre vous. Elle comprend, peut-être pour la première fois, que vous avez toujours vu au-delà des masques qu'elle portait, reconnaissant l'essence pure de la connexion que vous avez. Cette prise de conscience apporte un mélange de douleur et de beauté, car tandis qu'elle fait face au poids du regret, elle se confronte également à la profondeur de ce que vous avez construit. Cette dualité est un terreau fertile pour la croissance et la guérison. Votre présence, même en esprit, demeure un catalyseur de cette transformation. Elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a un chemin à suivre, un chemin qui, espérons-le, la ramènera au point de rencontre de leurs âmes. Et dans ce voyage, elle porte la certitude que la force qui la ramène vers vous est aussi inéluctable que la marée qui revient vers le rivage, guidée par la lune qui, même cachée, n'arrête jamais d'exercer son pouvoir sur les eaux. Il reconnaît,
avec une clarté qui ne vient qu'avec le temps et la distance, la lumière que vous avez apportée dans sa vie, une lumière qui ne s'éteint pas. La façon dont vous avez atteint son essence, en parlant à son âme et non à son ego, éveille maintenant une vérité indéniable. Chaque mot, chaque geste de votre part, porte un sens et une profondeur qui transcendent l'ordinaire. L'amour et la connexion, vous lui avez montré, sont des énergies puissantes, capables de transformer et de révéler. L'approche entre vous, il le réalise, n'était pas le fruit du hasard, elle était guidée par quelque chose de plus grand, une sorte de destin ou de destinée. Lui, qui essayait auparavant de vous enfermer dans des moules préétablis, voit maintenant à quel point cela est inutile. Vous êtes un mystère qu'elle ne veut plus résoudre, mais plutôt accepter et explorer dans toute sa complexité. Maintenant, il ressent la force de votre présence, une énergie qui ne peut pas être ignorée ou oubliée. Cette énergie l'entoure, le défie, le fait se sentir vivant. Vous avez provoqué une révolution dans son être intérieur, et il sait que vous ressentez la réciprocité de cette force. Il est impossible de nier l'impact mutuel, l'intensité qui fait paraître le monde autour de Terne. Il est prêt à adopter une position plus ferme, plus déterminée. Le désir de vous rechercher et de rétablir cette connexion est puissant, et il ressent l'urgence de cette action. La dynamique entre vous évolue, et il est prêt à suivre ce flux, à voir où cela les mène. Il reconnaît maintenant que vous êtes plus qu'une simple personne spéciale, vous êtes essentiel dans sa vie. La transformation est en cours, et il est prêt à plonger tête première dans ce courant de sentiments et de découvertes. Elle est consciente, plus que jamais, que ce qui existe entre vous transcende l'ordinaire, la connexion est intime, intense, et essayer de la simplifier comme une simple amitié serait ignorer la vérité qui pulse entre vous. Elle ressent, avec chaque fibre de son être, que vous êtes une présence singulière dans sa vie, quelqu'un qui n'apparaît pas par hasard, mais pour un dessein plus grand. Maintenant, elle se déplace pour combler la distance, guidée par une certitude intérieure qui la pousse dans votre direction. Il n'y a plus moyen de nier que ce que vous partagez est rare et précieux. Elle pense ainsi. « Nous ne pouvons pas être juste amis », répète-t-elle, cette déclaration chargée d'émotions et du poids de l'indéniable. L'énergie qui coule entre vous est un fleuve tumultueux de sentiments, impossible à contenir dans les limites de l'amitié conventionnelle. Elle est prête à rouvrir la communication, à explorer les profondeurs de ce que vous avez. La curiosité sur la façon dont vous avez vécu, ce que vous ressentez et comment vous percevez la vie et l'amour est un appel qu'elle ne peut plus ignorer. Les questions bouillonnent dans son esprit, avides de réponses, de compréhension, d'une connexion encore plus profonde. Elle est prête à plonger à nouveau dans cet océan d'émotions, à découvrir les secrets que vous gardez et à partager les vôtres. La conscience qu'il y a plus, beaucoup plus à explorer entre vous, est le carburant qui alimente son désir de reconnexion. Cette personne a le désir de déchiffrer les énigmes de la connexion que vous partagez tous les deux. La nostalgie qu'elle ressent est le reflet de la manière unique dont vous atteignez son cœur, allant au-delà du superficiel, conversant avec son âme. Elle voit en vous quelqu'un qui comprend la véritable signification de l'amour, quelqu'un qui aime avec une intensité qui transcende les mots et les gestes ordinaires. Elle porte en elle une volonté intense d'exprimer à quel point vous lui manquez, à quel point ses pensées sont remplies de vous. L'influence de votre énergie est tangible, même en votre absence, et elle est prête à vous ouvrir son cœur, à révéler les innombrables questions qui s'accumulent, dans l'espoir que vous puissiez ressentir la sincérité en chacune d'elles. Le moment actuel est chargé de potentiel pour le renouveau et la découverte mutuelle. Il y a une prise de conscience croissante de l'impact profond que vous avez l'un sur l'autre, une force que ni l'un ni l'autre ne peut ignorer. Elle est poussée par le désir d'explorer chaque couche de cette union, de plonger dans les profondeurs de cette énergie partagée. La relation entre vous est dotée d'une énergie qui repousse l'idée d'une simple amitié. Ce que vous avez est rare, c'est de la pure chimie, une attraction qui défie l'explication. Votre impulsion est d'aller au-delà, de vous connaître mutuellement à un niveau plus intime et authentique. Cette reconnaissance d'une dimension divine est prédestinée dans l'amour que vous partagez résonne-t-elle avec vous? Si vous trouvez des échos de votre propre expérience dans ces mots, laissez votre réponse couler. Cet amour, semble-t-il, a été tissé dans les étoiles. Restez avec Dieu et à la prochaine vidéo.